Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Clara. Bonjour Julie, bonjour à tous. Tu es ambassadrice de Kiffe ton cycle, oui. Mais qu'est-ce que c'est Clara? Alors Kiffe ton cycle, ça a été créé par Gaëlle Baldassari. L'objectif c'est de permettre à chaque femme de s'approprier son cycle menstruel et d'en faire finalement une force au quotidien. Oui. Parce que quand on grandit, quand on a ses premières règles, c'est un peu présenté comme quelque chose de pénible, de pas agréable, comme un peu une tare d'être une fille. Et du coup, Gaëlle, ce qu'elle veut faire avec Kiffe ton cycle, et c'est vraiment remettre en fait la femme à l'honneur, le fait que les règles, c'est quelque chose de positif et qu'on peut s'appuyer dessus pour en faire un allié au quotidien dans sa vie. Sauf que si on ne nous le dit pas, si on ne nous explique pas un peu comment fonctionne notre cycle et comment on peut s'appuyer dessus, c'est un peu compliqué du coup. Oui, on le subit et on n'a pas plaisir à retrouver nos règles, à retrouver notre corps, parce que c'est vrai que entre les règles c'est impur, on foire nos mayonnaises, toutes ces légendes catastrophiques qui diabolisent les menstruations et tout ce qui concerne le corps de la femme, en tout cas tout l'appareil génital. Je me dis, on a un gros travail de déconstruction à faire. En tout cas, c'est parfait. Moi, je suis aussi Gaëlle sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle publie. Et puis, nous, on en a parlé aussi. J'aime l'idée qu'on se dise... Enfin, de toute manière, ça arrive, tout ça. Donc, soit on l'accueille et on en fait notre allié, soit on est en résistance et on va le subir toute notre vie. Plusieurs années, oui. Il y a des choix à faire, des dizaines d'années. Donc, je me dis quand même, voilà. Ouais. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes pour les femmes de capter? Ouais. Donc concrètement, quand on est ambassadrice Kiffe ton cycle, c'est qu'en fait on a été formée par Gaëlle à toute son approche, sa façon de présenter le cycle menstruel. Et donc du coup on propose des ateliers Kiffe ton cycle, dans lesquels on va présenter le cycle. Alors c'est pas du tout descendant, alors sortez vos cahiers, on va vous dire ce que c'est, on va vous le faire vivre en fait par des expériences. Donc c'est extrêmement concret et pratique. Et puis on va voir les quatre grandes phases qu'il y a dans un cycle menstruel. Et puis on va ressortir avec des billes, des astuces pour essayer d'en faire finalement son business coach. D'accord. J'ai bien dit son business coach. Donc permettre de s'appuyer sur son cycle pour pouvoir tirer le meilleur de nous-mêmes et de notre potentialité à chaque moment finalement de notre vie. En fonction de notre cycle, il y a des phases où on est plus fatigué, donc peut-être on se dira c'était pas le moment d'entreprendre un projet énorme sur ces jours-là. Enfin, c'est vrai que de bien se connaître et de bien connaître son cycle, ça permet d'optimiser notre quotidien et nos projets et tout ce qui nous fait vibrer quoi. Donc, tout à fait. Je trouve ça génial. Ouais. Oui, et puis en plus chaque phase a ses bénéfices. Oui. Donc finalement une phase où on va dire là je suis fatiguée, je peux rien faire. Si on peut faire des choses qui vont être particulièrement adaptées à ce moment-là, et puis on va être plus douce, on va être plus peut-être dans l'accueil. Enfin voilà, en tout cas vraiment se dire, ok, comment je fais, comment je m'écoute, comment je me respecte à chaque moment de mon cycle. Et puis c'est fait de manière ludique, très respectueuse, et puis dans un climat de confiance avec toutes les femmes qui vont participer à l'atelier. Très bien, je suis complètement fan. Merci beaucoup Clara pour ces éclairages. Merci Julie. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite. Merci, au revoir.